Bonjour, chers collègues. Merci d'être venus en cette période un peu agitée. On a failli hésiter à annuler ou pas, en fonction de la situation du moment. Et puis, on a eu quand même beaucoup de gens qui nous ont dit mais non, la matinée quand même. On s'est dit que c'est sur une base volontaire, donc les gens viennent s'ils ont envie de venir. S'ils ne viennent pas, ils vont aller à la cafétéria, ce ne sera pas forcément plus sécurisé qu'ici. Ou alors supermarché pour faire des courses. Donc, à moins de rester chez soi après avoir fait un stock de guerre, de pâtes et de conserves, on ne sait pas trop quoi faire. Donc on a maintenu. Merci d'être là en tout cas. La conférencière, j'espère, nous apportera un éclairage intéressant sur cette question de renforcer sa confiance en soi. Juste une annonce quand même pour la FFPE. Moi j'étais président de la FFPE pendant 10 ans et depuis le 1er janvier, c'est Statis, mon compagnon de route, depuis il a déjà entreprise, Giro, qui a pris le relais. Et je lui souhaite plein succès dans sa présidence de notre syndicat. C'est une année de transition 2020 parce qu'on n'a pas d'élection majeure. Par contre, l'année prochaine, on en aura trois en réunion à Espra, à Séville, à Bruxelles. Donc, moi, je serai plutôt au centre du départ vers la retraite, mais je verrai quand même. Voilà. Donc, vous n'êtes pas venu uniquement pour entendre ça, vous êtes venu pour écouter Madame Assenaï, que vous avez déjà peut-être vu la dernière fois, c'était en mois d'octobre, je crois, dernier, quand elle nous a parlé du. Comment diagnostiquer son burn-out éventuel et comment y faire face et comment y remédier. Et cette fois-ci, on a pris un autre sujet qui était pratiquement connexe, mais qui intéresse à la fois les collègues directement à titre personnel, la confiance, l'estime de soi, comment ça se travaille, comment ça s'analyse, ça se construit. C'est intéressant aussi pour nos enfants. C'est pour ça qu'on a mis sur l'affiche l'invitation pour aujourd'hui un petit garçon qui tient entre ses mains le monde. On s'est dit, ça concerne finalement tout le monde, à la fois nous, mais surtout on se pose des questions des fois pour nos enfants et savoir si, indépendamment de leur réussite scolaire, ils sont capables d'affronter le monde difficile et compliqué dans lequel ils vont rentrer. Voilà, je ne sais pas si tu veux compléter avant de donner la parole à notre conférencière. Non, c'est gentil, merci de nous accueillir, enfin d'être là parmi nous. Nous n'allons pas trop prendre votre temps, nous allons plutôt laisser la conférencière commencer puisque vous êtes là pour l'écouter, pas nous. Et voilà, bienvenue à tous et puis courage pour ce qui suit. Aujourd'hui, on va parler en fait de la confiance en soi et de l'affirmation de soi. Alors, c'est un vaste sujet où j'aurais pu tenir pendant des heures avec plein d'informations théoriques et pratiques. Ici, comme le temps est limité, j'ai fait le choix, j'espère qu'il est le bon, de bien sûr vous parler un tout petit peu de théorie, mais surtout en fait d'essayer de vous apporter des outils concrets dans les différentes situations qui peuvent modifier en fait la confiance en soi. Et je suis bien sûr à votre disposition après pour parler de choses plus concrètes en fonction de vos questions. Ça va, tout le monde m'entend bien? Je vais rester penchée. Alors, d'abord peut-être pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis psychologue clinicienne et neuropsychologue, donc ma grande passion, même si ici ce sera un peu moins le cas, c'est le cerveau et l'influence sur les comportements et ou sur la biologie. Je suis plutôt dans ce qu'on appelle les thérapies comportementales et cognitives, c'est-à-dire une approche vraiment très axée présent, orientée, solution. Je ne fais pas de psychothérapie, je ne creuse pas outre mesure le passé. Et j'ai aussi toute une série en fait de formation sur des techniques qui sont soit cognitives, soit un peu para, qui complètent, je trouve, bien cette formation de base en neuropsy pour vraiment avoir des outils au présent. Donc c'est ce que je vais vous en présenter quelques-uns aujourd'hui également. Alors, je vais peut-être juste attendre que la dernière personne s'installe. Alors, si on rentre dans le sujet, peut-être la première question, parce que ce n'est pas rien, c'est de savoir un petit peu ce que c'est que la confiance en soi. On parle tout le temps de ce thème, c'est une notion qui veut tout dire et rien dire avec plein de choses dedans. Donc je pense que c'est important de savoir de quoi on va parler, parce que de nouveau, j'ai dû faire des choix dans cette notion globale. Alors un petit peu d'humour peut-être pour commencer et un peu partir sur quelque chose de positif. Est-ce qu'il faut être beau, intelligent, riche et célèbre pour avoir confiance en soi? Ben non, parce que sinon les médias n'auraient pas grand-chose à dire sur toutes ces célébrités qui ne sont pas du tout dans la confiance. C'est évidemment autre chose. Alors en général, pour comprendre ce que c'est que la confiance en soi, on part d'une pyramide et de la notion en fait de confiance en soi
globale. La base de la pyramide, c'est ce que vous évoquiez là tout à l'heure, c'est l'estime de soi. C'est vraiment en fait la valeur profonde qu'on se donne. Sous-entendu, cette réponse auquel, si vous êtes toute seule ou tout seul, vous pouvez vous dire « Ok, est-ce que je suis quelqu'un de bien ?» fondamentalement dans mes tripes. Et pour les enfants, évidemment, c'est extrêmement important. C'est quelque chose en fait qui s'acquiert dans l'enfance en fonction en fait des expériences, en fonction des succès, des échecs. C'est quelque chose sur lequel je ne vais pas parler aujourd'hui, parce que cette valeur profonde qu'on se donne quand elle a en fait des déficiences, c'est du domaine en fait de la psychologie, de la psychothérapie, et je ne peux évidemment pas, lors d'une conférence, vous donner des trucs à ce niveau-là. Mais donc c'est important de savoir aussi que, sincèrement, à part traumatisme, en consultation, j'ai très peu de gens qui ont vraiment un problème d'estime d'eux-mêmes. Okay ? Souvent, on vient en disant « oui, j'ai pas confiance en moi, on a lu des bouquins, on parle d'estime », c'est très rare. Okay ? C'est vraiment avec des traumatismes ou des choses qui peuvent faire que le développement en fait, de cette valeur est pathologique. Il y a ensuite en fait, le deuxième niveau, qui est celui en fait, dont je vais parler aujourd'hui, qu'on appelle strictement la confiance en soi. C'est vraiment en fait la stabilité de cette valeur profonde que je me donne en fonction en fait des événements. Tout le monde a des doutes quand il y a des échecs, tout le monde a des jours où il se sent moins bien, qu'on soit adulte ou enfant, et donc cette valeur que je me donne peut être mise en fait momentanément en défaut. Avoir une bonne confiance en soi, c'est avoir la capacité de rapidement revenir au fait que globalement je suis quelqu'un de bien et que j'ai des compétences qui me permettent de passer au-dessus de l'échec. Donc c'est vraiment la stabilité de, ou la capacité de remettre stable l'estime de soi. Ça c'est la vraie confiance en soi. Et c'est ce qu'on appelle les capacités en fait finalement. C'est ça qui nous permet de pouvoir rebondir quand il y a des échecs ou des situations difficiles. C'est de dire ok, sur le profond je suis quelqu'un de bien et j'ai des capacités qui vont me permettre de prendre d'autres directions ou de changer de stratégie. D'accord ? Donc c'est une capacité qui se travaille, heureusement, elle n'est pas du tout acquise et qui varie selon les circonstances et les moments. Le troisième niveau de la pyramide, c'est ce qu'on appelle l'affirmation de soi. C'est de nouveau une notion très importante. C'est qu'une fois en fait qu'on a la capacité, quand on a des doutes ou qu'il y a des choses externes qui mettent à mal notre valeur qu'on se donne, de pouvoir la remettre à niveau, il faut aussi en fait pouvoir l'exprimer en communication. Et exprimer quoi ? C'est ce qui fait justement notre confiance en nous, c'est nos valeurs, nos besoins. C'est des techniques de communication qui, une fois encore, se travaillent, mais pour être sûr en fait qu'on puisse prendre sa place au sein des autres avec bienveillance, mais en posant quand même clairement ses limites. C'est également, de nouveau, un motif très fréquent de consultation. Souvent, les gens qui viennent en disant qu'ils ont des problèmes de confiance en soi, c'est soit de la stabilité, parce qu'ils sont dans un moment de vie où, pour différentes raisons, ils doutent d'eux-mêmes, soit simplement des capacités à affirmer ses besoins, à faire des demandes ou à mettre des limites. Et donc, c'est des deux niveaux-là que je vais, en fait, surtout parler aujourd'hui. Ok ? Alors, quand on parle d'un trouble de confiance en soi, tous les niveaux, en fait, peuvent évidemment être touchés. Là, c'est les cas vraiment problématiques qui nécessitent vraiment une prise en charge ou juste, en fait, l'un ou l'autre des niveaux. Je suis désolée, je vais essayer de tourner la tête pour regarder aussi là-bas. Avec un écran, c'est pas facile. Et justement, c'est ça qui fait, en fait, aussi la force et la difficulté. C'est qu'il y a des gens qui peuvent avoir des problèmes en haut de la pyramide au niveau de l'affirmation d'eux-mêmes. C'est des gens qui sont timides, qui paniquent dès qu'il y a quelque chose qui se passe, mais qui en fait ont une très bonne valeur d'eux-mêmes. C'est les capacités de communication qui posent problème. À l'inverse, vous pouvez avoir quelqu'un qui a l'air très affirmé, qui a une bonne confiance en lui, on va dire, dans le niveau intermédiaire de la pyramide, mais qui en réalité, en fait, souffre d'un problème profond d'estime de lui-même et qui va, en fait, comme procédé défensif, être plutôt dans l'agressivité, l'assertivité, dans des grandes intellectualisations, etc. Des choses. Donc il ne faut pas se fier aux apparences. Quelqu'un, c'est ça que je veux finalement vous dire, qui a l'air d'avoir une bonne confiance en lui, à parfois en fait les niveaux inférieurs qui sont touchés, mais il a des bonnes capacités de communication. Ou inversement, quelqu'un qui n'a pas l'air d'avoir de bonne communication ou de bonnes capacités à ce niveau-là peut avoir en fait des niveaux inférieurs qui sont très bons. Et si jamais vous avez en tout cas des questionnements pour vous ou pour vos enfants sur la confiance en soi, c'est important en fait de voir et de relativiser un petit peu quel niveau en fait de la pyramide est touché.
en sachant bien sûr que, et c'est vraiment la bonne nouvelle, ce que vous devez retenir, c'est vraiment, en tout cas les deux niveaux supérieurs, sont des capacités qui s'acquièrent et qui se travaillent. Ce n'est pas quelque chose d'acquis. On n'a pas, sauf si on a une estime de soi déficiente, on peut vraiment y retravailler. Alors, quels peuvent être justement les troubles de la confiance en soi, donc, c'est-à-dire de ce deuxième niveau, d'accord? Moi, quand je parle maintenant confiance en soi, c'est vraiment le terme officiel de la confiance en soi, qui est la stabilité de notre valeur dans le temps. Alors, il peut y avoir des causes structurelles. C'est vrai que tous les fonctionnements, en fait, qui sont anxieux, avec des particularités cérébrales éventuellement, d'hypersensibilité, d'eau potentielle ou autre, sont des fonctionnements structurellement qui ont, en fait, qui sont plus sensibles aux fluctuations telles que les émotions, le stress et autres, et donc peuvent avoir, en fait, une variabilité de leur valeur qui est plus fluctuelle, en fait, on va dire, que les autres. Il y a également en fait le manque de ressources, que ce soit un état de résistance, un épuisement ou un burn-out, qui fait que ben, fatalement, quand on a moins de ressources, on peut aussi moins facilement revenir à une stabilité de notre valeur. On doute beaucoup plus parce que tout prend des proportions beaucoup plus importantes. Il y a évidemment aussi des situations externes avec des frustrations ou des événements qui se succèdent et qui fait qu'on n'arrive pas en fait à digérer ou à relever la tête. Par exemple, tout ce qui est harcèlement, fatalement, c'est dans ce genre de situation-là. C'est qu'à force d'être tout le temps en fait remis en cause, on n'a pas le temps ni la force à terme de pouvoir essayer de retravailler sur la stabilisation de notre valeur. Et alors, il y a ce que je vous disais, donc les traumatismes de l'enfance qui, là, en fait, vont plutôt agir sur l'estime qu'on a de nous-mêmes. Et bon, là, il y a un travail de fond en fait à faire. Alors, ça va pour la théorie, donc je ne vais pas aller plus loin parce que je pense qu'il n'y a pas énormément plus à en dire. Je vais essayer en fait de vous donner des outils concrets et pratiques pour chacun des aspects qui peuvent influencer cette variabilité, on va dire, de notre valeur qu'on se donne. C'est-à-dire quand on est face à des émotions, quand on est face à des événements difficiles, comment est-ce qu'on peut essayer de rapidement renforcer sa confiance en soi, c'est-à-dire revenir à une valeur positive de nous-mêmes pour rebondir. Et donc là, en fait, il y a une première chose dont je vais parler qui est de pouvoir maîtriser le stress et les scénarios catastrophes. C'est clair que quand on doute de soi, on a une tendance, en fait, c'est notre cerveau qui va créer des réactions de stress et avoir à créer ce qu'on appelle les scénarios catastrophes, ces scénarios du pire, où, je veux dire, le cerveau tourne en boucle pour chaque fois nous envoyer toutes les images possibles du pire qui ne va pas évidemment nous aider à pouvoir surmonter la chose. Il y a aussi toute cette notion de redevenir nous-mêmes, c'est-à-dire revenir, en fait, ou essayer d'enlever tout ce qui peut nous parasiter. Il y a les croyances, bien sûr, ça je ne vais pas trop en parler aujourd'hui parce qu'on n'a pas beaucoup de temps à part dans des outils concrets, mécaniques, mais il y a surtout les émotions. C'est vrai que les émotions nous font fluctuer en fait la valeur qu'on, notre estime de nous-mêmes, donc notre valeur profonde, et si elles sont très intenses, ben, ça nous fait fluctuer notre confiance en nous de manière extrêmement importante aussi. Et alors, il y a tout ce qui est aussi automatisme, c'est-à-dire qu'il y a des automatismes qu'on a acquis et développés au fur et à mesure du temps, et quand on perd nos moyens, entre guillemets, je vais le résumer comme ça, ne sont pas toujours en fait ce qui est efficace. C'est des croyances, des automatismes par essence, et qui ne sont peut-être pas ce qu'on a besoin. Donc il y a cette notion de besoin qui est mon gros dada sur lequel en fait je voudrais absolument vous apporter un éclairage aujourd'hui par rapport à la confiance en soi. Et le dernier point, là on parlera de l'affirmation de soi, je vais vous présenter une technique en fait de communication. Alors c'est une version très courte de tout ce qu'on appelle communication non violente. Je ne vais pas rentrer non plus dans le détail, c'était super technique en fait. La seule chose, c'est que mon avis tout à fait personnel, c'est que ces techniques sont très bien quand on a le temps de réfléchir, mais quand on est face à une situation problématique, on n'a pas le temps de faire toute une analyse consciente. Donc ce n'est pas du tout de moi, c'est un charmant monsieur qui a développé une technique version courte que je voulais vous présenter et que je trouve très efficace aussi. Ok ? Alors, la première chose, donc, c'est la maîtrise du stress et des scénarios catastrophes.
Il faut déjà, quand on a comme ça des tendances à avoir beaucoup de doutes et à manquer de confiance en soi, c'est vrai qu'en fait, tout devient compliqué. Et au plus on est confronté à des situations qui nous prouvent que c'est compliqué, au plus on stresse et au plus ça devient compliqué. Et il y a par exemple, par rapport à des réunions, des évaluations pour les enfants, des examens, vraiment des scénarios catastrophes qui, même chez les tout jeunes enfants, font que la veille, ça tourne et on se stresse de plus en plus et on perd de plus en plus de ressources. Il faut déjà relativiser. Alors relativiser, ça veut tout dire et rien dire aussi, mais ça veut dire quoi? Se dire que quoi que notre cerveau crée comme pensée, ce ne sont que des pensées. Et même si ça a l'air très crédible, les scénarios du pire qu'on imagine, notre cerveau n'est pas capable de prévenir, enfin, a priori en tout cas, de prévoir l'avenir, sauf fonction particulière, ça ne reste que des pensées qui essayent d'imaginer le pire, mais sans plus. Donc il faut vraiment toujours essayer de répéter aux enfants que c'est pas parce qu'ils s'imaginent ça que pour ça, ça va arriver. Et en tant qu'adulte aussi, il faut essayer de se le répéter. La réalité n'est rarement d'ailleurs aussi catastrophique qu'elle n'en a l'air. Donc important aussi quand il y a comme ça des stress, vous parlez des enfants, donc je vais un peu dans cette voie-là, même si pour les adultes ça vaut aussi, c'est toujours se dire ok, là j'ai peur que ça arrive, mais est-ce que dans le passé c'est déjà vraiment arrivé? Est-ce que j'ai eu des situations comparables où le pire était là? Ou bien est-ce que c'est juste mon cerveau qui fantasme entre guillemets en essayant de contrôler la situation? Alors, premier petit outil pratique que j'aime bien et que j'avais déjà présenté la fois passée pour ceux qui sont venus, c'est un outil tout à fait mécanique. J'insiste, ça ne va absolument pas agir sur la cause, ok? Quand quelque chose, en fait, nous perturbe, simplement quelque chose nécessite une adaptation, ça peut être un petit truc, j'ai faim, j'ai soif, ou un gros truc, il y a un danger ou une incertitude. Dans le cerveau, qu'est-ce qui se passe? C'est que ici à droite, il y a une réaction de stress qui va se mettre, qui est tout à fait normale, en fait, qui s'appelle une réaction d'adaptation. Ça va sonner comme une alarme de voiture. Et cette alarme de voiture va entraîner, en fait, toute une réaction physiologique, nerveuse, hormonale et musculaire, qui va nous donner, en fait, un moteur à agir. C'est ce qu'on appelle le bon stress. Mais donc, retenez, ça part à droite. Et c'est dans tous les cas, chez les enfants, chez les adultes, on en a des milliers par jour, ça nous sert à nous adapter. D'accord ? Parfois, cette réaction peut être pathologique, c'est-à-dire que cette réaction comme ça un peu réflexe ne nous permet pas de nous adapter, pour plein de raisons. Et alors on ressent en fait le stress négatif. Mais partez du principe que cette réaction est normale et utile, ça prouve qu'on fonctionne bien. Vous savez qu'on a deux hémisphères, un gauche, un droit. Le droit est plutôt par essence, pour résumer, émotionnel, créatif, intuitif... C'est un cerveau plus irrationnel et le gauche est plutôt analytique, rationnel, d'accord? Les deux hémisphères ne peuvent pas être suractivés en même temps, c'est impossible. On ne peut pas être hyper émotionnel, par exemple, dans une situation, et hyper rationnel en même temps. On peut avoir des petites zones comme ça, mais pas au même instant les deux activés. Donc chaque fois que vous sonnez, quelle qu'en soit la raison, que ce soit une pensée qui tourne, que ce soit une émotion qui monte, que ce soit une sensation, vous savez que vous allez suractiver le cerveau droit sans vous en rendre compte, parce que cette alarme de stress va tourner. Donc un outil mécanique tout con qui permet en fait de couper cette réaction de stress, c'est d'obliger sur le moment au cerveau à passer à gauche, à activer en fait le côté gauche. Donc imaginons, j'en sais rien, j'ai un examen, on va dire, demain, je suis occupée à stresser là avant de dormir, j'ai toutes ces ruminations qui vont dire que je ne vais pas savoir répondre ou autre. Première chose à faire, c'est de couper mécaniquement l'alarme. Je sais que ça sonne à droite, donc il faut que je fasse quelque chose, et je vais vous dire quoi, qui va non pas activer là encore, qui va activer ici. Et donc le sang qui activait cette alarme, comme les deux hémisphères ne peuvent pas être activés en même temps, va aller ici et ça va diminuer. On utilise ça dans tout, pour les phobies, pour les TOC, pour tout. Comment est-ce qu'on passe à gauche? C'est ça qui est important, évidemment. C'est par exemple en comptant à l'envers dans les dizaines supérieures. Quand vous comptez à l'envers dans les dizaines supérieures, donc vous faites par exemple, moi j'en sais rien, 120, 119, 118, 117, ça voilà. Pour pouvoir faire ça, vous activez une zone qui est opposée à celle qui sonne, quelle qu'en soit la raison, quand il y a une alarme qui se met en place. Ok? Et donc mécaniquement, comme les deux hémisphères ne peuvent pas être activés, en comptant à l'envers, vous suractivez le cerveau gauche
et ça va calmer. Alors tout à fait pratiquement, ça calme plus ou moins de 20% la sensation. Bah, c'est quand même pas anodin, c'est juste mécanique. Alors pour les parents, moi je recommande toujours, je ne sais pas si vous connaissez les Monsieur Madame en fait comme collection de livres, voilà. Il y a Monsieur Peureux en fait dans les Monsieur Madame. Vous verrez qu'en fait ce petit livre-là utilise cette technique-là. C'est-à-dire que les enfants, il faut en fait surtout quand ils vont être capables de compter un petit peu, les faire compter. Alors Monsieur Peureux, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, c'est pour les enfants à partir de 4 ans jusqu'à 7 ans. Au plus ils sont grands, plus vous pouvez un petit peu compliquer. Mais c'est le même principe et ça marche vraiment... très bien, c'est pas magique, c'est 20%, mais c'est déjà ça. Et au plus vous allez le faire, au plus vous allez créer un automatisme en fait qui va faire que finalement votre cerveau ne fera même plus y penser, ça va se faire tout seul. Alors pour les adultes qui seraient en plus éventuellement hyper cérébral, hyper anxieux, hyper sensible et tout ça, je vous encourage à vraiment compliquer. C'est-à-dire que quand vous voulez compter pour un peu modérer, commencez pas à 120, faites 2000 moins 14 par exemple, je trouve que ça marche très bien, ou 3000 moins 22. Vous ne devez pas compter jusqu'à zéro, hein. Vous comptez jusqu'au moment en fait, où vous vous sentez mieux et vous sentez que votre cerveau en fait, déconnecte un petit peu dans l'alarme. Okay. Donc ça c'est ce qu'on appelle les techniques cerveau gauche. Alors pour ceux qui n'aiment pas compter, parce qu'on me le dit souvent, les dominances droites entre autres n'aiment pas les chiffres, vous pouvez faire avec l'alphabet, c'est la même chose. Au plus vous êtes mal, au plus vous compliquez. Vous faites une lettre sur deux, une lettre sur trois dans le bon sens là, évidemment, mais vous essayez de compliquer. Dernier petit truc que je trouve très pratique. C'est qu'en fait, compter ou faire l'alphabet, ça marche très bien pour un petit peu modérer en fait les emballements, moi j'appelle ça, quel que soit l'emballement. La seule chose, c'est que si on compte ou qu'on fait les lettres, si on est face à quelqu'un, par exemple, et qu'on doit parler, ça va se voir. Si vous comptez ou que vous faites l'alphabet, la personne en face de vous, déjà vous ne savez plus parler parce que la zone qu'on appelle est toute proche de celle du langage, mais en plus ça se voit. Donc là, je vous donne la version bis, qui est la version psy, que moi j'utilise par exemple beaucoup en consultation. C'est une façon de passer en cerveau gauche de manière plus discrète, un peu moins efficace, mais quand même efficace. C'est-à-dire que là, vous devez en fait fixer sur la personne en face de vous et décrire dans votre tête ce que vous voyez. Excusez-moi, je prends votre exemple parce que vous êtes devant, mais je peux vous parler de manière tout à fait cohérente, attentive. Regardez quelles couleurs sont vos lunettes, regardez si vous avez des boucles d'oreilles. Bref, simplement regarder, décrire, ça ne m'empêche pas de parler. Le détail, en fait, est dans une zone qui est plus éloignée du langage. Pourtant, je passe en cerveau gauche. Donc moi, en consultation, quand j'ai des patients qui me transmettent des choses qui me touchent, une sensible, pour ne pas commencer à pleurer ou être chaque fois en réaction de stress face à eux, je passe en cerveau gauche régulièrement et c'est devenu un automatisme. C'est clair, vous avez sur cette technique? Je n'ai pas parlé trop vite pour ceux, je sais que je parle souvent vite, non? Ok. Il y aura des questions-réponses après. Oui, c'est ça, notez bien. Donc ça, c'est les techniques cerveau gauche. Mais c'est vraiment... Donc, attention, ce n'est pas des outils magiques. Hein, ça ne permet que d'enlever 20 à 30%, on va dire, de la pensée, de la sensation, de l'émotion. Mais c'est déjà très bien. Et pour les enfants, entre autres, qui ont une tendance à s'emballer beaucoup plus parce qu'ils sont plus jeunes et qui n'ont pas non plus toutes les capacités de recul, c'est vraiment des outils qui fonctionnent très bien. Alors, je vais rester assise résolument parce que... Alors... Il y a une deuxième technique que je voudrais vous présenter, que je trouve très intéressante par rapport à tout ce qui est scénario catastrophe. Okay, donc c'est toutes les situations qui ne sont pas encore arrivées, ce qu'on appelle en fait les pensées d'anticipation, des pensées sur quelque chose qui n'est pas encore arrivé, sous-entendu des pensées négatives, et qui peuvent en fait nous faire varier notre estime ou notre valeur qu'on se donne simplement par anticipation négative. Par rapport à ça, il y a une technique qu'on appelle la technique de l'ancrage. C'est basé en fait sur les conditionnements opérants de Pavlov, j'imagine que vous connaissez, où en fait à force d'associer un son, donc allez, pour Pavlov c'était une sonnette, au moment où il donnait à manger en fait à ses chiens salivaient, et bien à force le conditionnement opérant c'est qu'en faisant juste la sonnette, il n'avait même plus besoin de présenter la nourriture, les chiens salivaient, d'accord? Ça c'est du conditionnement opérant, c'est une association qu'on fait en fait entre deux choses, et qui fait que finalement, en ne faisant plus qu'une des deux choses, on a le même effet, ok? Les ancrages positifs, c'est quoi? C'est d'associer, en fait, des pensées, des sensations, des expériences positives à un geste. Il faut en général une semaine avant l'événement qui nous stresse, donc c'est-à-dire par exemple en période d'examen chez des enfants qui seraient très sensibles ou qui manqueraient de confiance en eux, une semaine avant l'examen, tous les soirs, vous faites ça. En tant qu'adulte aussi, si vous avez une grosse réunion, un gros truc qui vous stresse, vous préparez une semaine avant pour que l'ancrage se mette. Et c'est quoi le principe?
c'est de se dire que tous les soirs au coucher, ça dure 2 minutes et je trouve que c'est un bon moment pour le faire, il faut déjà que vous déterminiez ce que vous voulez atteindre, c'est-à-dire l'inverse de ce qui vous stresse. Imaginons par exemple, ce soit un entretien d'évaluation où vous craignez en fait de perdre vos moyens ou d'être attaqué sur un point et de ne pas savoir répondre. Ou imaginons un examen pour un enfant qui aurait déjà eu un échec précédent et qui se dit qu'il va avoir une question qu'il ne maîtrise pas bien, etc. Bref, dans tous ces cas-là, vous déterminez qu'est-ce que vous auriez besoin pour vous sentir bien. Quel est finalement l'état que vous voulez atteindre? Si c'est par exemple de garder... la capacité de répondre à des choses négatives, par exemple, qu'on pourrait vous dire lors de votre évaluation, ou le fait de ne pas pleurer, de rester en fait forte, ou de ne pas paniquer s'il y a une question qui n'était pas prévue ou qui est difficile. Vous déterminez ce que vous attendez, d'accord? Les adjectifs, je voudrais me sentir, 3 petits points, et puis vous dites tous les adjectifs qui vous passent en tête, ok? Quand vous avez déterminé ça, je voudrais en fait que vous réfléchissiez, ou vous fassiez réfléchir, si c'est pour une autre personne, à une situation du passé, où vous avez en fait, vous êtes arrivé à ressentir en fait ces adjectifs positifs. Ok, donc par exemple, si c'est de parler de manière assertive dans une situation un peu difficile et de garder en fait le contrôle de vous-même, ben, réfléchissez dans le passé, est-ce qu'il y a déjà eu un moment ou une situation, même très lointaine, où vous êtes arrivé en fait à garder vos moyens et à pas, je veux dire, vous écrouler, d'accord? Ou une situation où vous avez très très bien réussi une conférence ou ce genre de choses. Vous essayez d'imaginer en fait cette situation et de faire... alors il y a des personnes de mon âge et des personnes plus jeunes, mais pour vous, est-ce que c'est les Polaroïdes? Vous voyez ces appareils photo là où on appuyait et il y avait une photo qui sortait? Et bien, essayez d'imaginer que vous faites un Polaroid en fait de cette situation du passé où ça s'était très bien passé et vous êtes arrivé à faire ce que vous souhaiteriez refaire. Faites un Polaroid avec un zoom sur vous où vous imaginez, vous essayez de revivre en fait, ok, comment est-ce que je me sentais à ce moment-là, mon visage, qu'est-ce qui a particulièrement bien fonctionné? Et pendant que vous revisitez tout ça en fait en mémorisation, je voudrais que vous fassiez un geste avec votre main droite. Alors moi je propose toujours, je fais ça parce qu'il est discret quand on doit le refaire seul, c'est faire une petite boule de papier avec la main droite. D'accord? Alors il y a des gens qui veulent se toucher la cuisse, enfin, je veux dire, vous faites ce que vous voulez, je trouve que celui-là ça marche très bien, c'est discret, et c'est pas non plus, ça ne paraît pas trop bizarre quand on est en public. Donc pendant que vous imaginez cette situation du passé, en exacerbant vraiment tout ce qui était de positif et ce que vous voudriez en fait réatteindre dans l'événement d'aujourd'hui, vous faites la petite boule, vous faites ça pendant 2 minutes, 3 minutes, et vous faites ça tous les soirs, ok? Et à chaque fois que vous avez fait pendant 2-3 minutes la petite boule en repensant à cet événement qui s'était bien pensé, vous imaginez ce Polaroid avec une photo que vous prenez et vous imaginez que vous allez l'arranger à l'arrière de votre tête à la fin de l'exercice. Comme si vous aviez un petit coffre, donc en fait c'est ici derrière, à gauche, vous imaginez que vous avez un petit coffre où vous mettez toutes les photos de ces situations positives en fait du passé. Si vous faites ça pendant une semaine ou tous les soirs, vous verrez que ça ira de plus en plus vite parce que votre photo, vous l'avez déjà, donc vous devez juste la rappeler et puis réimaginer le moment comme ça s'était bien passé, refaire la petite boule. Mais vous verrez quand vous serez dans la situation, vous pouvez en fait, si vous sentez que vous perdez vos moyens, refaire juste la petite boule très discrètement, et on peut le faire très discrètement, et vous aurez les mêmes sensations en fait positives qui vont être réactivées. C'est vraiment jouer en fait sur des ancrages du cerveau. Mais donc, ça, on peut le faire aussi avec les enfants de manière beaucoup plus simple, hein, c'est-à-dire simplement, ben voilà, la veille d'un examen ou une semaine avant, on pense à toutes les fois où il a, enfin, que lui pense et vous avec, à toutes les fois où il a bien réussi en fait un contrôle et on lui demande de faire la petite boule. Et puis vous lui dites, voilà, après, ça c'est ta petite boule magique, si tu sens que tu paniques ou que tu n'arrives pas à répondre, tu fais ta petite boule magique ou tu comptes à l'envers ou tu fais les deux. Enfin, c'est des chouettes outils concrets et pratiques. C'est clair cette notion d'ancrage? Et vous pouvez le faire pour n'importe quoi. La seule difficulté de cet outil, c'est de bien déterminer ce qu'on veut. Et donc là, répondez vraiment à la phrase, je voudrais, pendant cet événement qui me stresse, me sentir 3 petits points, dites tous les adjectifs qui vous passent par l'esprit, et choisissez-en là-dessus 2 ou 3 qui sont vraiment pour vous les prioritaires, et essayez de penser à une situation du passé pour l'ancrer. D'accord? Parce que finalement, c'est ça, le manque de confiance aussi en soi, c'est qu'à force, par exemple, d'avoir eu des situations négatives, le cerveau fait l'inverse, il fait un ancrage négatif. C'est-à-dire que chaque fois qu'on va stresser pour une situation future, le cerveau va de manière automatique prioriser toutes les preuves qu'on s'est planté en fait avant.
Le fait de réaliser des ancrages positifs va lutter contre ça, et c'est tous des mécanismes cérébraux, mais va permettre en fait de modérer cette espèce d'image qu'on rate tout, quoi. Et il y a toujours, on a tous dans notre vie, moi j'ai des patients qui me disent parfois, oui non c'est pas possible, j'ai toujours été nulle, on trouve toujours une façon, un moment qui s'est bien passé, même qui ne serait peut-être pas dans une situation professionnelle, qui serait dans une situation privée, mais qu'on peut aussi utiliser comme ancrage pour une situation professionnelle future. Ok. Alors, donc ça, c'était deux petits trucs qui sont vraiment par rapport aux pensées qui n'est pas catastrophe, par rapport au stress sur le moment, en fait, où on sent qu'on perd ses moyens, donc compter à l'envers ou faire l'alphabet et faire des ancrages positifs le plus souvent possible. Il y a un deuxième aspect, en fait, qui est un peu plus profond, on va dire, qui sont tout ce qui nous empêche d'être nous-mêmes et donc, quelque part, qui nous font aussi varier cette confiance en soi. Il y a, entre autres, en fait, les émotions, grand sujet où on peut parler beaucoup aussi, je vais vous donner ici la base, et lié à ces émotions, tout ce qui est notion de besoin et d'envie. Alors, pour les émotions, c'est important déjà de comprendre ce que c'est, parce qu'on parle beaucoup des émotions, on donne souvent l'image que les émotions, c'est quelque chose qui nous tombe dessus par hasard. Il y a trois grandes émotions, hein, avec toutes les nuances possibles, mais dans les émotions négatives, il y a la peur, la colère et la tristesse. On va partir sur cette base-là, après la colère peut devenir de la haine, de la frustration modérée, mais retenez les trois émotions de base. Les émotions ne nous tombent pas dessus par hasard. C'est juste, et j'insiste, des schémas mentaux et des schémas hormonaux que le cerveau nous donne pour nous informer sur une situation et sur la façon dont il faut réagir. Je dis toujours, c'est une sorte de GPS interne, d'accord ? Les gens qui sont hypersensibles dans le sens des particularités cérébrales ou au potentiel, par exemple, ont ce GPS qui est hyper pointu et hyper embêtant parce qu'il sonne plus. Mais les émotions, chez tout le monde, quand elles sont en tout cas justes, sinon on tombe dans le domaine de la psychiatrie, c'est juste un GPS qui nous informe sur la situation et ou sur nos besoins. Vouloir les supprimer est complètement utopique. Les outils qui pourraient dire qu'ils enlèvent les émotions ou les techniques qui pourraient, c'est du mensonge. Okay, les émotions ont une utilité. Il y a des techniques qui permettent de modérer l'intensité émotionnelle, mais si vous n'allez pas regarder ce que le cerveau veut vous dire par l'émotion, elle va revenir. Ça, c'est vraiment un point important pour comprendre les outils après. Alors justement, si on regarde en fait, je m'y connais toujours pas d'ici. Si on regarde en fait les trois émotions, donc à partir de maintenant, et ça vraiment je vous encourage à faire avec vos enfants et dès qu'ils sont le plus jeunes possible, c'est un cadeau énorme qu'on peut leur faire, c'est bien sûr de comprendre les émotions et de comprendre ce que ça veut dire. En gros, si on parle en fait, je vais commencer sur les deux émotions plus ou moins sophistiquées, si on part sur la peur, voilà, on parle de confiance en soi, c'est clair que la peur est souvent en fait très présente. La peur, c'est une émotion, ce GPS que le cerveau met en place quand on a un besoin d'information sur une personne ou sur une situation. D'accord ? Donc la première chose qu'on fait en tant que psy, c'est déjà regarder, quand on nous parle de peur, est-ce que l'émotion a une raison d'être là ? Ou alors est-ce qu'on est dans le domaine de la psychiatrie ? Si l'émotion est juste, qu'elle correspond en effet à quelque chose qui se met en place pour nous dire qu'on a besoin d'informations sur la situation, ah ben alors on peut commencer à travailler sur « ok, de quoi est-ce qu'on a besoin pour se sentir mieux ?» C'est ça finalement, la peur appelle toujours un besoin d'avoir de l'information sur un événement, sur une rencontre, sur une personne qu'on sent moins. Okay ? La tristesse, c'est une émotion que le cerveau met en place quand on a un besoin de combler en fait une perte ou un manque qui soit réel ou symbolique. Alors bien sûr, quand on a une perte, un deuil, on va ressentir de la tristesse parce qu'on doit combler ce manque et ça prend du temps. Mais c'est aussi une émotion qui veut nous dire que dans ce cadre-là, puisque ce n'est pas possible, il faut prendre soin de nous. Dans le burn-out également, les gens ont beaucoup l'émotion de tristesse parce que le cerveau leur met tout le temps en fait ce GPS-là qui est dit « occupez-vous de vous ». Et donc la tristesse est adéquate. La colère, et ça fait toujours rire, mais c'est tellement vrai, c'est ce qu'on fait quand on ne sait rien faire d'autre. Okay ? Quand le cerveau en fait, ne trouve pas de stratégie plus évoluée par de la tristesse, un retour sur soi, ou par de la peur,
c'est-à-dire une action vers l'extérieur pour avoir de l'information, il va mettre la colère. Donc quand vous avez de la colère ou qu'un enfant en fait a de la colère, ça veut simplement dire que son cerveau ne trouve pas en fait d'autres stratégies et qu'en fait il ne sait plus rien quoi faire dans la situation. Et donc en gros, il faut changer de stratégie. Ça, c'est ce qu'on fait dans les solutions. Mais donc c'est très important en fait d'être bien connecté à ses émotions quand elles apparaissent pour comprendre ce qu'elles veulent nous dire, parce que c'est déjà un message tout simple pour les modérer. Si vous ne faites pas attention à la colère qui vient tout le temps dans une situation, c'est qu'en fait, vous passez à côté d'une solution toute simple pour retrouver votre confiance en vous, qui est en fait, ok, dans la situation telle qu'elle est, si je suis furax et que je ne sais rien faire d'autre, de quoi est-ce que j'aurais besoin pour me sentir mieux? Sous-entendu, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre que ce que j'ai déjà fait, puisque ça ne marche pas, sinon je ne serais pas en colère ou énervée, pour me sentir mieux? Les enfants sont typiquement, en fait, quand ils sont jeunes, à avoir des gros coups de colère, parce que leur cerveau n'est pas encore capable de trouver des stratégies, en fait, à côté. Donc, en tant que parent, il faut, en fait, essayer de voir avec l'enfant de quoi est-ce que tu as besoin pour te sentir mieux. Je comprends que tu sois en colère, c'est très énervant de ne pas savoir quoi faire, et voilà, c'est vraiment toujours avoir un discours qui lui apprend en fait à écouter ses émotions. Avant, on était beaucoup moins sur les émotions. Il y a beaucoup d'adultes que moi je vois en consultation qui n'ont plus cette capacité d'entendre les émotions. Ils sont passés dans des intellectualisations de tout et des réflexions continuelles, mais qui évitent juste de regarder ce qu'il y a derrière. Soit ils ont carrément une inhibition émotionnelle. Ils ne ressentent plus les émotions. Elles sont là, mais elles les bouffent intérieurement, mais ils ne sont plus capables de les sentir. Et ça, évidemment, c'est des choses beaucoup plus compliquées à travailler. Donc c'est très important dès l'enfance. Moi, je vois des enfants à partir de 8 ans. C'est vraiment sur ça que je travaille, pour essayer de reformaliser en fait avec eux pourquoi est-ce qu'ils ressentent ça et leur montrer que c'est juste, c'est pas grave d'être triste ou en colère si on sait en fait pourquoi est-ce qu'on est triste ou en colère. Donc c'est ce que je voulais vous expliquer par ce petit point sur les émotions. Alors là je vais me lever parce que c'est quand même une partie un peu... ici je vais vous montrer un outil, donc c'est mon gros dada, je l'utilise dans le burn-out, dans même la reprogrammation du poids. Comment est-ce qu'on peut en fait donc répondre aux émotions? C'est en regardant le besoin qu'il y a derrière. Mais de manière générale, quand on est mal, c'est très important en fait de pouvoir être connecté à ce qu'on appelle les besoins, et pas dans un côté mystique, et c'est très concret. Pour comprendre en fait l'outil, petit passage, et je ferai une petite pause après parce que c'est important que vous compreniez bien en fait cette notion-là, dans ce qu'on appelle, en fait, vers ce qu'on appelle les envies et les besoins. Okay, parce que pour gagner ou pour restabiliser sa confiance en soi quand on a des doutes, la priorité, ça c'est la fin, mais c'est de se recentrer sur ses besoins, d'accord? De dire, ok, dans la situation telle qu'elle est, de quoi est-ce que j'ai besoin? Mais pour ça, il faut comprendre en fait ce que c'est qu'un besoin. Alors, on parle souvent d'envie et de besoin. C'est des mots qu'on utilise quotidiennement. C'est vrai qu'en général, donc pour faire très bref, l'envie, on l'associe en général à quelque chose de spontané, sur le moment, lié au plaisir. J'ai envie de chocolat, je mange du chocolat. Okay. Le besoin, en fait, on l'associe beaucoup plus à quelque chose qui est obligatoire pour fonctionner, à quelque chose de nécessaire et qui est peut-être moins lié au plaisir. C'est vrai. Avec trois nuances. Première nuance, c'est le lieu d'origine, et c'est essentiel pour comprendre l'outil. L'envie vient de la tête, c'est cérébral, c'est psychologique. Si je satisfais une envie, je vais avoir du plaisir qui est cérébral, psychologique. Si je ne satisfais pas une envie, je vais avoir une frustration qui sera cérébrale, psychologique. J'ai envie de chocolat, je mange mon chocolat, je suis contente, sous-entendu. Je ne mange pas mon chocolat, je ne suis pas contente, mais point, c'est pas plus grave que ça. Ok ? Le besoin est physiologique, il vient des tripes, ok? Satisfaire un besoin va donc donner aussi du plaisir, mais qui sera beaucoup plus profond, qui sera physiologique, donc en gros ça va me donner des ressources. Si je mange quand j'ai faim, parce que j'ai vraiment besoin, je vais me faire des ressources, ok? Si je ne satisfais pas un besoin, je vais avoir une frustration, mais qui sera aussi profonde et physiologique. Je vais en fait me bouffer des ressources. Or, quand on est mal et qu'on a cette confiance en soi, cette valeur qu'on se donne qui faiblit, l'important sur le moment, c'est le plus vite possible de déjà se redonner des ressources pour pouvoir donner au cerveau de l'oxygène, des nutriments qui va faire qu'il pourra peut-être mieux gérer la situation et peut-être arrêter cette alarme. Okay ? Donc, première chose, envie-besoin, le lieu d'origine. Deuxième chose, il n'y a que le besoin
qui donne vraiment des ressources de fond. Alors attention, j'ai pas dit que le plaisir et l'envie étaient accessoires, je vous parle juste quand on est mal. Il vaut mieux en fait se centrer prioritairement sur ses besoins plutôt que sur ses envies. D'accord ? On a besoin vraiment de ressources de fond. Troisième grande nuance, quand on pense besoin, on pense toujours à la pyramide de Maslow, aux besoins physiologiques de base, boire, manger, dormir, ok, ceux-là je pense qu'à la base on les connaît. Moi ce dont je parle ici, c'est ce qu'on appelle les besoins secondaires ou tertiaires. C'est des besoins qui, en apparence, sont souvent confondus avec des envies, qui n'ont aucun aspect vitaux. Mais pourtant, si on les satisfait, ils vont nous donner, sur le moment, des petits pas de ressources. Et des petits pas de ressources, plus des petits pas de ressources, ça fait des grands pas pour l'homme, ou en tout cas pour les ressources. Ok ? Donc, cette notion d'envie et des besoins, pourquoi est-ce que je vous en parle ? C'est parce que quand ça va mal, bien sûr, on peut écouter ses émotions. Mais parfois, on n'a pas d'émotion. On va mal tout court et dans une situation, on ne sait plus quoi faire, donc au pire, on est frustré, en colère, par exemple. Mais c'est important dans ces moments-là de se dire, ok, dans la situation telle qu'elle est, où actuellement, je n'ai pas d'autre solution, de quoi est-ce que j'aurais quand même besoin, là, tout de suite, maintenant, pour me sentir mieux? Et c'est pour ça que je vous parle de cette notion de besoin. C'est pour vous apprendre ou pour que vous appreniez à vos enfants, quand ça va mal, d'écouter les émotions ou alors de directement vous dire « Ok, là tout de suite au présent, je peux déjà faire des petits pas en attendant qu'ok, l'idéal qui est que je me sente bien, que mon boss arrête de m'ennuyer, que mon camarade me reparle de nouveau si c'est des problèmes à l'école ou autre. Ok, dans la situation telle qu'elle est, où c'est comme ça et pour le moment je sais rien faire, de quoi est-ce que j'ai besoin ?» D'accord ? Je vais prendre mon exemple de chocolat. Ok, je peux avoir envie de chocolat, mais je peux aussi avoir besoin de chocolat pour plein de raisons que je ne maîtrise pas. Parce que mon corps veut, par exemple, a besoin de magnésium ou de phosphore pour fonctionner. Et si à ce moment-là, je me dis non, 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 faut pas, parce que sucre, parce que poids, parce que plein de raisons, je passe pourtant à côté d'une façon toute simple, en mangeant mon bout de chocolat, de me donner un peu de ressources. Je peux aussi avoir des ancrages qui ont été faits, vous savez maintenant ce que c'est sur le chocolat, et qui fait que pour plein de raisons passées de mon histoire, j'ai mangé du chocolat quand j'étais mal, ça m'a fait du bien, mon cerveau a fait l'association entre les deux, et là me fait une impulsion entre guillemets de chocolat, parce que dans la situation telle qu'elle est, c'est la seule chose qu'il a vue pour me faire un peu de bien. D'accord ? Et là, de nouveau, si je passe à côté en me disant non, c'est une envie et que je les confonds, eh ben, je passe à côté d'une façon toute simple pourtant de mieux gérer en fait la situation. Alors, toute la difficulté, bien sûr, c'est de pouvoir différencier sur le moment l'envie et le besoin. Et de pouvoir être capable, sur le moment, de se dire, ok, de quoi j'ai besoin? C'est là que vient l'outil, en fait. Si vous vous posez la question, toute seule ou tout seul, en réfléchissant, en disant, ok, de quoi est-ce que j'ai besoin là pour me sentir bien? Vous pouvez lister, par exemple, tout ce qui vous passe par l'esprit, c'est déjà une très bonne chose et une chouette façon de réagir. Mais le problème, c'est que je vous expliquais que vous étiez sans doute à ce moment-là dans une réaction de stress. Votre cerveau droit, en fait, tournait parce que votre cerveau sait qu'il y a quelque chose et donc vous met cette espèce de moteur qu'est le stress pour essayer de réagir. Donc vous êtes en dominante droite. Le cerveau droit, c'est aussi par essence la zone des émotions, des croyances, des jugements, bref, de toute une série de choses qui parasitent un peu la réflexion. Et donc, si vous réfléchissez tout seul à vos besoins, vous risquez quand même d'être un peu parasité par tout ce qui vous affecte, en fait, et rentre en compte, même de manière inconsciente, dans la situation. Donc, c'est là qu'en fait, j'ai trouvé un outil tout bête que je trouve qui marche très bien. C'est qu'une fois que vous avez fait la liste de tout ce que vous pourriez avoir besoin dans la situation, imaginons, j'en sais rien, moi, un conflit avec un collègue, où ça devient horrible, vous perdez tous vos moyens chaque fois que vous vous trouvez face à lui, on va par exemple parler d'un boss, et du coup, au plus vous perdez vos moyens, au plus vous faites des erreurs, et au plus vous faites des erreurs, au plus vous êtes mal, et donc votre confiance en vous, en fait, commence à être problématique. C'est le cas des harcèlements aussi. Dans ce cas-là, vous pouvez dire, ok, dans la situation telle qu'elle est, je suis mal, je ne sais plus comment gérer les choses, vous pouvez être en colère, vous pouvez être triste, ça me semble de nouveau juste et pas du tout psychiatrique, mais vous pourriez vous dire, ok, dans cette situation telle qu'elle est, où c'est comme ça, de quoi est-ce que j'aurais besoin pour me sentir mieux? Vous prenez une feuille de papier et vous listez tout ce qui vous passe par l'esprit. Tiens, par exemple, aller voir un psy, mais vous pouvez faire des choses beaucoup plus simples, aller partir un jour faire une thalasso, partir un week-end en vacances, faire un arrêt médical, en parler à quelqu'un, enfin vous notez tout ce qui vous vient à l'esprit dans cette situation, ok? Et pour sélectionner ce qui sera vraiment un besoin, et ça c'est l'outil, je vous encourage à travailler avec votre cerveau gauche, vous allez être des pros après la conférence, c'est-à-dire uniquement par des chiffres. À chaque idée que vous avez notée, vous vous donnez en fait deux chiffres.
D'abord, est-ce que là tout de suite j'ai vraiment envie de faire ça? Et puis deuxième note sur 10, est-ce que j'ai vraiment besoin prioritairement de ça? D'accord? Donc vous donnez deux chiffres sur 10 sans aucune justification, jugement, croyance. Au plus vous répondez à un chiffre vite, au plus vous avez l'impression que c'est n'importe quoi, au plus en réalité vous ne serez pas parasité, la note sera juste. D'accord? Et puis vous prenez en fait la chose où la note de besoin, la deuxième note est la plus élevée. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait toujours les deux notes? Je vous encourage à faire l'exercice dans votre tête là maintenant. Si vous avez de quoi écrire ou bien vous le faites dans votre tête, mais très rapidement, si je vous dis OK, ça va? C'est pas ce slide là. Si, si, c'est toujours là. Ah oui, oui, ben je suis, oui, oui, c'est, voilà, excusez-moi. Mais voilà. Donc, je voudrais que vous répondiez chacun dans votre tête, très très vite, le plus vite possible ou par écrit. Ok, est-ce que là, tout de suite, maintenant, vous avez envie de chocolat? Très vite, note sur 10, première note qui vous vient par l'esprit. Ok? Est-ce que là, tout de suite, maintenant, deuxième note, vous avez vraiment besoin prioritairement de chocolat pour vous sentir bien? Très vite, note sur 10. Par exemple, vous allez voir comment est-ce qu'on analyse ça. Alors, retenez, dès que vous êtes au-dessus de 6, c'est une vraie envie ou un vrai besoin. C'est pas 5, la moyenne, c'est 6. Okay. Quand je vous pose la première note, est-ce que j'ai en fait envie de chocolat? On va prendre votre exemple. Vous me dites 10. Okay. Vous êtes au-dessus de 6, c'est le maximum. Ça veut dire que votre tête a très très envie de chocolat, de manière tout à fait consciente pour donner ce chiffre. Votre cerveau s'est baladé dans l'échelle qu'on a tous de l'école, de 1 à 10. Okay. Et la note qu'on donne est consciente, réfléchie, cérébrale. Ça correspond à l'envie. D'accord? Quand juste après, je vous demande, ok, très très vite, là tout de suite, est-ce que vous avez besoin en fait de chocolat? Qu'est-ce que votre cerveau fait? Pendant une microseconde, il va juste se demander est-ce que c'est plus ou moins que la note précédente que j'ai donnée. Et le chiffre qui va sortir va être beaucoup plus spontané, beaucoup moins réfléchi, beaucoup plus profond, beaucoup plus physiologique, c'est-à-dire en gros, il correspondra aux besoins. Ça, vous devez me faire confiance, un outil que moi j'utilise depuis 10 ans, ça marche très très bien pour déparasiter justement tout. Donc la règle, c'est toujours de répondre le plus vite possible, mais de donner les deux notes. Quand on va mal, c'est la deuxième note qui compte. Mais on est obligé de passer par la première note pour un peu déparasiter le côté réfléchi, parasité, manipulé et autres de l'envie. Okay? Et donc ce que vous faites, c'est toute la liste que vous avez faite, très rapidement, vous notez les deux notes et vous prenez en fait ce où le besoin est le plus élevé. Vous savez que c'est ce qui va vous donner le plus d'énergie. C'est clair, sachez que c'est un peu compliqué, c'est conceptuel, mais je vous assure que ça marche très bien. Donc en résumé, à chaque fois que ça ne va pas, quelle qu'en soit la raison, on s'en fout. Dites-vous, ok, dans la situation telle qu'elle est, et c'est comme ça, je ne sais toute façon rien faire, de quoi est-ce que j'aurais quand même besoin, là tout de suite maintenant, pour me sentir mieux? Premier cas de figure pour analyser ça, vous regardez s'il y a une émotion principale, peur, colère, tristesse, en fonction, et vous l'aurez dans le résumé, vous avez déjà une indication de la direction dans laquelle vous devez creuser. Deuxième possibilité, si vous n'avez pas vraiment d'émotion, vous prenez une feuille de papier, vous notez tout ce qui vous passe par l'esprit, y compris dans des petites choses, et vous les notez par des chiffres sans aucune justification le plus vite possible pour avoir cette fameuse note de besoin qui va vous donner en fait la quantité de ressources que vous allez gagner par ce choix-là. Okay? Troisième possibilité, et c'est là à la fin du slide ici, c'est que si vous êtes trop mal pour commencer à réfléchir sur de quoi est-ce que j'ai besoin, parce que ça c'est très joli, mais quand on est vraiment complètement submergé par une émotion, on n'a pas toujours la capacité, ni l'envie, ni le carnet devant soi pour commencer à noter et faire les notes. Okay? Donc là vous faites la dernière possibilité, qui est de vous dire que dans une situation problématique, il n'y a toujours que trois besoins possibles, il n'y en a pas plus. Okay? Quand on est mal, que ce soit à cause d'une situation interne ou externe, on peut avoir besoin de faire, d'agir, de mettre de l'énergie dans l'action. On peut avoir besoin d'exprimer, de dire à qui quoi on s'en fout. Okay. Et on peut avoir besoin de mettre une limite à soi ou à quelqu'un d'autre. Il n'y a pas d'autre besoin possible. Donc quand vous êtes mal et que vous perdez confiance en vous, faites une micro-pause, courez aux toilettes. Je dis toujours, essayez en fait de prendre un tout petit peu de distance. Ok, dans la situation telle qu'elle est, de quoi est-ce que j'aurais besoin pour me sentir mieux? Envie, besoin, note sur 10, de faire, on teste la catégorie. Quoi, on s'en fout? Envie, besoin, en fait, de dire, on teste la catégorie. Envie, besoin, en fait, de mettre une limite, on teste la catégorie. Ça prend 2 minutes, ok? Et ça vous donne, en fait, un levier d'action
pour pouvoir après réfléchir, ok, si c'est par exemple exprimé, à qui est-ce que j'aurais besoin d'exprimer? Vous notez toutes les personnes qui vous viennent à l'esprit et vous les notez. Qu'est-ce que je pourrais lui dire? Que j'en ai marre, que j'en peux plus, que c'est un connard, tout ce que vous voulez. Vous notez en fait toutes les phrases et puis vous faites envie besoin. D'accord? Ça répond tout de suite là. Je prends des exemples. Vous verrez qu'en fait, ça marche très bien et ça a l'air compliqué comme ça, mais une fois que vous l'aurez essayé 2-3 fois, ça prend vraiment pas longtemps. Dans les conflits, entre autres, c'est très utile et pour les quelques personnes que je ne regarderai pas qui m'ont déjà vu en privé, ça permet vraiment en fait de sortir de situations qui semblent comme ça super compliquées. Mais surtout, et c'est le plus important, ça permet de contrôler les automatismes. On a tous, par notre éducation, par nos enfances, des automatismes pour réagir. Les personnalités que j'appelle bulldozers, c'est-à-dire des gens, personne ne se reconnaîtra là-dedans, mais qui fonctionnent beaucoup avec des « il faut »,« je dois », qui sont très dans l'action, qui sont très toujours perfectionnistes. Mais ces gens-là, ils ont un automatisme, en général, quand ça ne va pas et qu'ils paniquent, d'agir. Okay ? Mais parfois, c'est parce qu'ils ont besoin. Et agir leur prend beaucoup plus d'énergie, en fait, que d'autres possibilités. Quand on est empathique, sensible, on a toujours, et je parle en connaissance de cause, un automatisme à parler, à exprimer, à essayer. Vous verrez que plein de fois, et je l'utilise moins pour moi, je me rends compte qu'en fait, ce n'est pas du tout ce que je dois faire dans la situation. Et vous verrez aussi que peut-être dans la situation, parler vous prend beaucoup plus d'énergie en fait que d'autres choses. Mettre une limite, c'est souvent en fait la catégorie qu'on fait le moins par automatisme. Et pourtant, c'est une catégorie qui, quand elle sort, est vraiment très instructive. Et là, je reviens en fait aux thérapies comportementales et cognitives que je défends plus tôt. C'est que la base, c'est de se dire qu'à force de faire régulièrement quelque chose ou de prendre conscience régulièrement de quelque chose, ça évite des heures de thérapie, les comportements se changent tout seuls. À force de vous rendre compte qu'à chaque fois que vous êtes dans une situation conflictuelle, votre première tendance serait éventuellement d'aller parler à la personne, mais quand vous testez les catégories, que c'est peut-être une tendance qui vous bouffe une énergie folle, mais votre cerveau n'est pas stupide, à un moment donné, il va comprendre que ce n'est pas la bonne solution, vous allez arrêter du coup d'être en colère parce que vous vous sentirez frustré dans la situation, et vous pourrez trouver d'autres stratégies. Ok ? Donc c'est vraiment en fait pour moi un outil qui est essentiel. Je prends toujours un exemple en consultation et je trouve qu'il est très parlant, on se reconnaît en général tous dedans. J'ai eu un jour des échos qui ont été rapportés par une patiente sur un médecin qui avait dit des choses négatives sur moi. Donc je suis très impliquée dans ce que je fais, ça m'a touchée beaucoup, je suis une sensible. Donc mon côté bulldozer, je me suis dit ok, direct, je l'appelle et je lui dis ma façon de penser parce qu'en plus je n'aimais pas trop cette personne. Heureusement j'utilise mes outils. Je teste les catégories, je n'avais pas du tout besoin de faire, surtout pas, j'étais à deux d'expressions, j'avais besoin de mettre une limite. Okay ? Donc je vous passe les détails, j'ai réfléchi à tout ce que je pouvais faire, finalement la conclusion c'est que je lui ai envoyé un mail en lui disant sans aucune expression, sans justifier, ce qui est très dur pour moi, que je souhaitais clôturer en fait la collaboration. Une heure après, franchement, je ne sais ce que j'avais besoin, j'étais soulagée. Mais surtout, avec le recul, heureusement que je ne l'ai pas contactée. Parce que, et là vous vous reconnaîtrez, si je l'avais appelée dans l'énervement et dans l'injustice dans laquelle je me trouvais, premier cas de figure, il n'aurait pas répondu, je serais devenue dingue. Deuxième cas de figure, encore pire, il aurait répondu, et le moindre mot, le moindre soupir qu'il aurait dit m'aurait fait encore exploser et devenir tout à fait irrationnel. Sans compter que j'aurais passé deux nuits à ressasser toute la discussion en me disant et j'aurais dû dire ça, et qu'est-ce qu'il a voulu dire par ça, enfin toutes les pensées d'anticipation et les scénarios catastrophes. Donc là, en fait, en étant centrée sur mes besoins, j'ai pu en fait retrouver ma confiance en moi, la stabilité en fait de ma valeur, en sachant quoi faire, par un outil qui fonctionne. Et après, pour le côté positif de l'histoire et happy end, je l'ai recroisé. Là, j'étais beaucoup plus calme, j'ai testé, j'avais un besoin à l'exprimer, je lui ai dit calmement ma façon de penser. Et voilà, j'ai pu exprimer, donc tout varie, évidemment, ces notes, c'est au moment où on voulait tester. Ok ? C'est chaque fois sur le moment. Mais pour moi, c'est vraiment en fait un automatisme qu'il faut avoir, c'est quand on sent qu'on a une émotion qui monte ou qu'on perd pied, c'est-à-dire que notre valeur profonde, en fait, est mise à mal, que ce soit par des sentiments d'injustice ou autre, directement, on prend du recul et très vite, ok, dans la situation telle qu'elle est, premier point, de quoi est-ce que j'ai besoin? Éventuellement, je vais direct dans les catégories, comme ça, ça me donne une orientation. Et puis, je fais de manière exhaustive tout ce qui me passe par l'esprit, comme petit pas possible dans la situation pour déjà gagner des ressources. Je vais peut-être juste faire
micro-pause, là, les deux derniers slides, parce que là, j'ai fini sur la confiance en soi. Est-ce que c'est clair, en fait, au niveau des outils? Est-ce que vous comprenez donc, les différents moyens d'action? On peut réfléchir pendant des heures. Hein, pourquoi est-ce que, personnellement, vous, dans votre situation, enfin, consul, bien sûr, pas ici, mais pourquoi est-ce que, dans votre situation, vous avez ce type d'émotion? À quoi ça correspond de votre passé? Tout ce que vous voulez, c'est parfois intéressant et on en a besoin. J'en reviens à la même chose. Mais parfois, en fait, le fait de simplifier et de simplement se dire « Ok, si, sauf preuve du contraire, je serais considérée comme psychiatrique, si j'ai cette émotion, c'est qu'il y a une raison. Ok, j'essaie de voir ce que l'émotion veut dire. La colère, c'est ce que vous devez retenir chez un enfant, chez un adulte, c'est qu'il n'y a pas d'autre stratégie pour le cerveau et du coup, il met ce schéma hormonal et mental-là en place. Il faut changer de stratégie. Ok, dans la situation telle qu'elle est, où je ne sais pas quoi faire, de quoi est-ce que j'ai besoin pour me sentir mieux? Des petits pas, s'il y a des idées qui viennent. S'il n'y en a pas ou je suis dans la panique, je teste les trois catégories. Faire, dire, arrêter, et je le fais avec des notes. Parce que simplement, quand on est en panique, c'est son cerveau droit qui domine. Ce cerveau-là, en fait, c'est le cerveau des justifications, des croyances, des émotions. Par essence, il est irrationnel. Et donc, même si on a l'impression de réfléchir de manière rationnelle, on ne le fait pas. Ok, donc ça, il faut que vous l'acceptiez aussi. Quand vous êtes mal, il faut essayer de revenir à des choses beaucoup plus neutre comme base de réflexion, c'est-à-dire des chiffres. Et puis après, vous utilisez votre cerveau droit sur ces chiffres, sur ces catégories, pour utiliser les associations d'idées, la créativité du cerveau droit, pour trouver des solutions, mais au moins votre base, elle est neutre. Ok ? Oui. On va poser des questions juste après. Il reste trois slides, je crois. Deux, oui. Deux. C'est plus simple de terminer et ensuite de passer aux questions-réponses. Alors, là, je suis dans quelque chose de plus simple, quoique... qui est en fait, une fois qu'on est bien clair sur ses besoins, mais c'est facile alors de passer au dernier niveau de la pyramide, qui est de pouvoir les affirmer, communiquer. Parce que finalement, être affirmé, c'est la capacité de prendre sa place au sein des autres. Et comment est-ce qu'on prend sa place au sein des autres, qu'on ait 5 ans, 10 ans ou 50 ans? C'est en pouvant clairement faire des demandes, en pouvant clairement poser des limites quand on en a besoin, et en étant sûr que les messages qu'on fait passer sont bien compris et ne créent pas de conflit. C'est ça finalement, communiquer en fait et être affirmé en communication. Donc, c'est ce que je vous dis, hein, pour s'exprimer en fait, hop, je ne sais pas ce qui est marqué, de façon juste et efficace, il faut d'abord connaître ses besoins, et ensuite qu'est-ce que c'est? C'est qu'en fait il faut chaque fois transformer tout ce qui ne va pas, nos émotions qui montent, nos jugements, nos croyances, nos peurs, en besoin. C'est ça finalement la gymnastique que j'essaie de vous apprendre maintenant. Avoir confiance en soi, c'est ok, douter, oui, parce qu'il y a des raisons de douter, mais chaque fois pouvoir transformer ça en besoin. En besoin pour se rassurer, en besoin pour pouvoir mettre une limite, en besoin pour pouvoir se faire du bien, etc. L'importance d'abord, c'est que quand vous faites une demande ou vous voulez poser une limite, c'est de bien commencer par le « je ». C'est en fait reprendre le pouvoir. Quand on manque de confiance en soi, souvent on fait confiance de manière un peu excessive à ce qu'on appelle les instances externes. C'est les fameux « il faut », les « je dois », « si je ne le fais pas », toutes ces croyances en fait qu'on a développées par notre éducation et qu'on prend un peu comme acquis pour essayer de se sortir d'une situation. Tout ce que je vous explique aujourd'hui, ça sert à renforcer ce qu'on appelle les instances internes. C'est-à-dire, oui, ok, il faut les croyances, les jugements, notre éducation, tout ça est important, mais il faut qu'on valide sur le moment, dans la situation, pour contrer les automatismes, que c'est vraiment, en fait, encore d'actualité dans qui on est devenu aujourd'hui. Et les enfants, il faut leur apprendre à ça aussi, à bien parler avec le « je », à pouvoir, en fait, en communication, essayer de sortir de ces instances externes. Les règles sont importantes, il faut leur apprendre aussi. Mais quand, en tout cas, ils sont mal, il y a le jeu qui passe. Qu'est-ce qu'il y a encore? Oui, donc voilà, c'est ce que je vous disais. Qu'est-ce que j'ai besoin dans cette situation? De quoi est-ce que j'aurais besoin de cette personne pour me sentir mieux dans cette discussion? Pour que tout se passe bien, si c'est des peurs d'anticipation, etc. Ou un enfant, de quoi est-ce que tu aurais besoin pour te sentir moins triste? De quoi est-ce que tu aurais besoin pour te sentir moins énervé? Toujours bien revenir sur ça. Au plus vous le faites jeune, au plus ils auront facile de le faire à l'âge adulte. Alors... cette méthode DES, donc c'est DES, c'est quoi?
Je devrais en fait essayer de trouver le nom de, du monsieur en question. Je sais que c'est un monsieur, mais je ne m'appelle plus son nom. Et pourtant, il est vachement sympa d'avoir fait cette technique. Alors, là, on part en fait de la communication. Quand on est mal, ou qu'on est timide, ou qu'on est sensible, ou qu'on est empathique, ou juste on est mal parce qu'on doit mettre une limite ou poser une demande un peu touchy, on a tous en fait cet automatisme de préparer le terrain. Okay. Pour essayer de faire passer en fait notre message qui nous met mal. Du genre, ben, je vais prendre des exemples concrets, on parlait des enfants, situation classique qu'on a tous en tant que parents, on pète un câble parce que la chambre n'est toujours pas rangée et que ça fait 10 fois en fait qu'on le demande, donc on dit eh, « mais non, j'en ai marre et ça fait 10 fois que je te le dis et je suis pas la boniche et blablabla, blablabla. » Okay. Souvent on oublie d'ailleurs de dire le message qui est « je veux que tu ranges ta chambre », mais on pète un câble. Deuxième cas de figure, qui est plus professionnelle et dans laquelle vous vous reconnaîtrez tous, il est 17h30, vous avez justement rendez-vous chez le dentiste pour vous, pour vos enfants, et vous avez votre charmante collègue, en fait, qui est complètement désespérée et qui vient au moment où vous allez juste éteindre votre PC en disant « Écoute, j'ai absolument besoin que tu m'aides, là je suis dans la merde à fond, enfin bon bref. » Et là, de nouveau, vous êtes super mal et vous allez sans doute avoir un discours du genre « Écoute, je suis vraiment désolée, mais tu sais, j'ai ce rendez-vous de chez le dentiste qui est fixé depuis un mois et je dois absolument y aller, je suis vraiment désolée. » Enfin bon, bref, donc on prépare le terrain, on s'excuse, etc. Mmh. Okay. Qu'est-ce que je pourrais encore vous donner comme autre cas typique Vous avez un dîner prévu depuis longtemps, vous êtes crevé, pas bien, coronavirus, vous stressez, etc. Vous avez envie d'annuler le dîner, vous êtes super mal parce qu'il est prévu depuis longtemps, vous n'avez pas envie de passer non plus pour un parano du coronavirus. Donc vous appelez la personne et vous allez faire toute une intro en expliquant en fait plein d'autres raisons et parfois en oubliant de dire que simplement vous ne pouvez pas venir. Pourquoi est-ce que je vous donne tous ces exemples? C'est que dans tous ces cas-là, en essayant de bien faire, vous amplifiez en fait les risques d'avoir des situations conflictuelles. Pourquoi ? Parce que dès qu'on justifie, dès qu'on dit des mots émotionnels, j'en ai marre, je suis désolée, dès qu'on fait en fait des jugements, ça fait 10 fois que je te le dis, sous-entendu tu es débile, je suis pas la boniche, ça c'est un jugement sur moi dans le premier cas, c'est votre cerveau droit qui le crée. Ok, donc qui est par essence toujours un cerveau irrationnel qui réagit un peu au quart de tour. Ce qui est plus important, c'est que la personne en face de vous, pour comprendre ce type de communication avec des mots émotionnels, des jugements, etc., doit aussi utiliser son cerveau droit, qui par essence est aussi en fait un cerveau irrationnel. Donc en gros, il y a 99 chances sur 100 qu'en voulant préparer ce terrain pour finalement mettre votre limite ou autre, vous engendriez chez elle ce que j'appelle un bug. C'est-à-dire que par exemple, un enfant ou un adulte d'ailleurs, qu'il ait 5 ans ou 50 ans, quand on dit j'en ai marre, vous pouvez avoir un bug chez lui qui va se dire allez hop, c'est reparti. Ça fait 10 fois qu'en effet elle me tombe dessus, et les adultes c'est la même chose. La collègue à qui on dit non au moment où on commence à être désolée en disant écoute, ça fait un mois, et tu sais, elle va dire bah oui, ben moi je suis vraiment dans la merde, elle va bugger sur toi de toute façon, c'est toujours le privé avant le professionnel. Enfin bref, elle peut bugger dans sa tête sur un mot que vous dites parce que son cerveau est en alerte et que c'est le droit qui va dominer. D'accord ? Donc, la méthode DES, c'est quoi le principe ? C'est qu'en fait, pour éviter ça, on va toujours commencer son message, quand c'est touchy pour une demande ou une limite, par une description neutre, sans émotion, sans jugement, de notre message, sous-entendu de notre besoin. Okay ? Par exemple, pour les enfants, je veux que tu ranges ta chambre maintenant. Je ne peux pas prendre ton dossier. Je ne vais pas pouvoir venir à ce dîner. Il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de jugement, je n'ai pas de mots émotionnels. Au moins, je suis sûre que mon message va être bien passé, entendu, compris et parasité par, pas parasité par plein de choses. Je sais que j'évite les bugs de la personne qui ferait qu'elle n'entendrait pas ma limite. Parce qu'il n'y a rien à faire, votre collègue à qui vous dites non, c'est ça que vous voulez faire finalement, et où vous expliquez pendant 5 minutes toutes les raisons du pourquoi de l'importance du dentiste, je peux vous assurer qu'elle, dans sa tête, elle vous écoute même plus, et elle se dit qu'une chose, bon, je crois que s'ils insistent un peu, j'arriverai en fait à la faire plier parce qu'elle a l'air super mal. Voilà. En gros, c'est ça finalement le truc, c'est qu'on commence en fait par le D, qui est la description neutre, et pour être sûr, je vous donne un truc, vous commencez toujours par « j'ai besoin »,« je veux », »,« je souhaite », si vous êtes dans un cadre professionnel. Ensuite,
vous mettez le E, D-E-S, qui est le parce que. Ces fameux jugements, justifications, il faut bien à un moment donné expliquer. Je veux que tu ranges ta chambre parce que j'en ai marre d'être une boniche. Je ne peux pas prendre ton dossier parce que je suis désolée, je dois vraiment partir. Je ne vais pas pouvoir venir à ce dîner parce que je suis désolée, je suis fatiguée, malade ou quoi que ce soit. Ok ? Essayez toujours, quand vous avez une tendance en fait à être sensible ou timide, à limiter au maximum les justifications. Ok ? Parce que souvent on a une tendance à les augmenter. Faites vraiment le moins de justifications possible. Là, vous avez déjà un avantage par rapport à la version précédente, c'est que vous êtes sûr que votre limite est claire, que vous êtes affirmé, vous êtes sûr que votre message est bien rempli et compris. Quand vous passez au E, vous avez quand même de nouveau 99 chances sur 100 de provoquer des bugs. Ok, c'est comme ça, c'est pas grave, c'est pour ça que je vous dis limiter au maximum, mais même s'il y a un bug, au moins la personne a bien entendu le message. Et c'est là que dans la méthode, il y a le dernier point, qui est le S. Ça, c'est toutes les théories de communication non-violente. On termine toujours le discours par une réouverture de dialogue. Le plus souvent, c'est un compromis, quand il est possible. Je veux que tu ranges ta chambre, parce que j'en ai marre d'être une bonne niche et de le répéter 10 fois. Je te laisse 10 minutes, on le fait ensemble, et puis après, on fait ce que tu as envie. Je ne peux pas prendre ton dossier, parce que je dois absolument partir, je suis vraiment désolée, mais si tu veux, demain matin, à la première heure, je vais voir si je peux t'aider. Je ne vais pas pouvoir venir à dîner parce que je suis malade, je suis vraiment désolée, c'était prévu depuis longtemps. Dès que je vais mieux, on se fait un petit café ou on refait un dîner. Donc c'est toujours de terminer le discours par une réouverture de dialogue. Quand il n'y a pas un compromis. Quand il n'y a pas de compromis, souvent le compromis c'est de reporter en fait la discussion. J'ai besoin de vous parler parce qu'il y a un truc qui ne va pas. Est-ce qu'on peut fixer un rendez-vous ? Ok, c'est ça aussi qui est un espèce de compromis. Quand il n'y a pas moyen de compromis ou de reporter la discussion, ben, vous terminez par la phrase qui est « Qu'est-ce que tu en penses ? Es-tu d'accord ?» ce qui permet à l'autre de réouvrir le dialogue. Ok. Deux petits trucs pour terminer cette présentation. Quand vous avez fait tout ça, que vous avez bien exprimé, parce que vous avez d'abord bien compris vos besoins, que vous les avez bien exprimés de manière claire, en évitant les parasitages du discours, mais parfois, en face de vous, vous avez des êtres humains aussi qui vont vous balancer un truc auquel vous vous attendez pas du tout. Pourtant, vous avez bien fait votre communication, vous avez bien mis une limite. Là, en fait, petit truc de psy aussi, c'est que quand ça arrive, vous reformulez mot pour mot ce que la personne vous a balancé qui vous heurte sous forme de question. Ok ? Oui, par exemple, votre collègue, toi, de toute façon, tu n'es jamais disponible. Ok, tu penses vraiment que je suis jamais disponible ? Point d'interrogation. Pourquoi ? Parce que d'abord, ça vous laisse le temps de compter à l'envers, pour essayer de calmer l'alarme, et ça vous laisse un peu de temps pour réfléchir. Mais deuxièmement, surtout, ça oblige l'autre personne à reformuler, en fait, ce qu'elle voulait dire. Et souvent, dans 99 cas sur 100, elle va le reformuler de manière moindre. Oui, écoute, c'est pas exactement ce que je voulais dire, mais... Et là, vous savez exactement, en fait, ce sur quoi vous pouvez réagir, et à vous demander de quoi est-ce que j'ai besoin dans la situation pour me sentir mieux. Ok ? Donc ça, c'est la méthode DES, vous la verrez en détail. Oui, il y a aussi l'autre option, quand vraiment, malgré la reformulation, il n'y a pas de discussion possible, clôturer toujours le dialogue par « je note ». Ça a l'air bête, mais je veux dire, ça vous permet en fait de... C'est quelque chose qui n'est pas émotionnel, donc la personne va l'entendre avec son cerveau gauche, et je vous assure que ça clôture en fait aussi les discussions. D'accord ? Et vous, ça vous permet aussi de retravailler votre cerveau gauche. Et voilà, j'ai fini pour... Très intense, très pédagogique. Voilà, c'est bon. Très intense, très pédagogique. Évidemment, il y a des collègues qui ont besoin vite de retourner au bureau, on les comprend, et on les plaint un peu. Mais ça donnera plus de temps aux autres pour poser les questions. En général, on balaye la salle comme ça. Je vais commencer par là-bas au fond, et ensuite, on va vers le fond. Donc, on ne revient pas tout de suite à l'arrière, donc on commence par là-bas. S'il y a des premières questions qui viennent ici, levez vite la main. Voilà, madame. Voilà, vous avez parlé de la tristesse et de la colère, et dans la tristesse, vous avez parlé aussi de la relation entre tristesse et burn-out. Et donc, j'aurais voulu un petit peu mieux comprendre quelle est la relation entre tristesse et burn-out, et la relation entre tristesse et colère, je ne sais pas très bien...
encore un jour. Voilà. Merci de votre question. Alors, brièvement, parce que je l'ai fait la fois passée, je peux vous faire une conférence sur le burn-out. Moi, je voulais juste vous expliquer, il y a un message dans toutes les émotions. Donc, la colère, c'est ce qu'on fait quand on ne sait rien faire d'autre. D'accord ? Alors, déjà, par rapport à votre deuxième question, c'est plus important. Quand vous avez une émotion, demandez-vous toujours, là, tout de suite, sur le moment, ok, j'ai sans doute les trois émotions, mais quelle est la principale ? D'accord ? Il y en a toujours une qui sort un peu du lot. Et là, alors, ok, imaginons que ce soit par exemple colère, ben vous savez que votre cerveau ne trouve pas d'alternative dans tout ce qu'il a comme expérience, etc., pour réagir, et donc vous savez que vous devez essayer de voir comment est-ce que vous pouvez vous centrer sur vos besoins ou changer de stratégie. Quand vous avez la tristesse, c'est en général un besoin de réparation, d'accord ? Parfois, la réparation n'est pas possible, c'est le cas d'un deuil. Dans le burn-out, je prenais simplement cet exemple-là, c'est que pour plein de raisons hormonales, bien sûr, c'est pas aussi simple, il y a les hormones de plaisir qui sont perturbées, mais c'est aussi une émotion que le cerveau met en place comme GPS pour inciter la personne à prendre soin d'elle et à se recentrer sur elle. La tristesse, c'est un besoin de se recentrer sur soi. Un deuil, c'est de prendre le temps nécessaire pour se reconstruire, se recentrer sur soi. Ben, le burn-out, c'est aussi un deuil. Donc c'est simplement ça que je voulais dire. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Voilà, ok. Autre question ? Ici ? La dame, je pense, qui... vous aviez... C'était pas vous qui aviez une question, là, tout à l'heure ? Oui ? Non, c'était une erreur, une faute d'orthographe. Ah, oui. Manquez-les. Alors, je suis une cerveau. Par ici, non ? Plus de questions. Plus de questions, voilà. Bah, vous êtes saturé d'informations. Alors, c'est bon. Vas-y, je peux juste... En fait, je viens de découvrir un outil formidable pour les enfants qui s'appelle la roue des émotions, qui est fait par une entreprise qui s'appelle L'Autrement Dit. Mais c'est génialissime parce qu'en fait, il y a les trois niveaux. Donc, le besoin, l'état d'esprit, le besoin et on tourne la roue. Ils peuvent choisir. C'est formidable, quoi. Ça ouvre le dialogue. Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous. Il y a aussi un jeu de cartes, en fait, qu'on trouve sur Amazon, qui est formidable. Pour les adultes, en fait, il y a d'autres versions. Pour ceux que ça intéresse, si vous me le rappelez, je peux vous l'envoyer. La seule chose de ces outils, c'est que, en effet, je trouve ça un moyen formidable de pouvoir ouvrir le dialogue. Mais c'est vrai que tout est un petit peu schématisé, entre guillemets, aussi. Et que... dans ma conception en tout cas, rien ne vaut que les mots et la simplification. Donc voilà, donc je suis tout à fait d'accord avec vous. Il y a beaucoup de thérapeutes pour les enfants qui ont difficile à s'exprimer. C'est un très chouette moyen. Pour les adultes, je suis beaucoup moins partisane. Je pense que parfois, en posant des bonnes questions, on sait avoir les bonnes réponses aussi. Mais il y a plein d'outils. Un jeu de cartes qui est très chouette aussi, qui coûte rien sur Amazon, pour les jeunes enfants, à partir de... Pour moi, c'est entre 5 et 8 ans. C'est dans cette tranche-là, ou 4 et 8, qu'on peut avoir besoin de ces outils-là. Mais vous avez raison. Je ne sais plus, je vous l'enverrai. De toute façon, vous marquez carte gestion des émotions sur Amazon, par exemple. Vous allez la voir. La roue des émotions, autrement dit, je trouve ça un super outil. Maintenant, tout à fait patemment, je trouve que c'est très cher. Moi, je l'ai acheté en version adulte et enfant. Franchement, c'est 20 ou 25 euros plus la livraison. Il faut, voilà, faut avoir l'outil, quoi. Maintenant, si vous voulez, ceux que ça intéresse, je peux faire une photo. Quitte à l'avoir acheté, et je vous l'envoie avec plaisir. Voilà, c'est pas joué. Mais... On distribuera votre présentation. Un résumé, ce sera un résumé. Maintenant, on met un peu de temps. On n'a plus de secrétariat en ce moment. On est en train d'embaucher une secrétaire. Donc, le temps qu'elle arrive pour mettre ça sur le site internet, ça prendra un peu de temps. Mais si vous voulez avoir la présentation, vous la... Ah oui. Voilà, c'est ça, celui-là. Voilà, c'est le jaune. J'ai pas mis la plus. Emoticart. Voilà, ça s'appelle Emoticart. Donc, hop. Emoticart. Voilà. Donc c'est Emoticart pour aider l'enfant à comprendre. Donc c'est Patrice Iacovella. Là c'est moins cher, c'est combien ? C'est quand même 20 euros. Hein. Donc c'est vrai que c'est tous des outils. Faut avoir une utilité en fait pratique éventuellement ou vraiment des enfants qui ont difficile à s'exprimer. Et c'est ça en fait ce qui compte, quel que soit le moyen. C'est ça que j'ai essayé de vous faire passer. C'est que pour moi, au niveau des enfants, pour asseoir leur confiance en soi, parce que finalement c'est ce qu'on veut tous en tant que parents, il faut leur apprendre en fait à bien toujours se reconnecter à leurs besoins dans toutes les situations. Et deuxièmement, pour moi, et j'y fais très attention à titre perso, c'est toujours avoir des communications qui suivent la méthode DES. Ok, c'est je veux que tu fasses ça quand on veut être un peu énervé, ou j'ai besoin que tu fasses ça parce que, et avec une solution. Au plus vous leur apprenez ça tôt, au plus ils auront la capacité, quand ça va mal, de pouvoir rebondir rapidement. Et d'utiliser aussi des techniques de communication pour bien faire passer leurs besoins, quoi.
Oui, j'avais une petite question parce que j'ai l'impression que vous centrez beaucoup sur la définition de ces besoins, alors pas les besoins primaires mais les besoins secondaires. Comment gérez-vous dans une société ou dans un couple ou dans une équipe des besoins relativement différents? C'est-à-dire que s'il y a des personnes qui ont des besoins, j'ai du besoin de temps pour moi, et que ça implique que les autres doivent prendre plus pour eux, ou dans un couple, comment, jusqu'à quelle limite peut-on aller en fait dans une question de société de, voilà, on doit partager aussi. Alors, votre question est très pertinente et évidemment la difficulté. Maintenant, je vais répondre de manière simple. C'est que le tout est de trouver des compromis entre les besoins. Mais à partir du moment où les besoins sont clairement en fait évoqués de part et d'autre, bah après, c'est une réflexion, comme dans tout, pour essayer en fait de trouver éventuellement au moins un besoin commun. Moi, je parle des petits pas, hein, donc au plus on fait des petits pas, au plus finalement on en fait des grands. Si on n'arrive pas à le faire seul, à demander en fait l'aide extérieure. Parce que souvent, et quand je parle de l'extérieur, c'est simplement pour clarifier ça, hein, souvent dans le couple par exemple, ou dans des relations professionnelles, les conflits sont simplement des besoins en fait qui sont pas clairement exprimés de un, mais aussi parfois en opposition. Il y a toujours moyen de trouver des compromis. Peut-être pas par rapport à ces besoins-là, mais surtout les besoins connexes. D'essayer d'avancer. Mais c'est clair, c'est la difficulté, tout est une question. Je dis toujours, en fait, moi je suis contre le noir et blanc, il faut trouver du gris. Donc c'est clair que si deux besoins sont plutôt dans le noir, il faut trouver un troisième besoin qui mettra tout le monde d'accord et ça permettra un petit peu d'avancer en attendant de pouvoir travailler sur les deux autres. Ou peut-être de se dire que c'est incompatible au niveau du couple, au niveau professionnel. Quoi. Ça, c'est encore une autre solution. Si on a tout le temps de la colère, j'avais le cas avec des patients que j'ai vus en couple avant-hier, au fur et à mesure de la conversation, alors que pourtant, je veux dire, on était juste dans l'expression des besoins, je voyais le mari qui montait, là, qui devenait de plus en plus agressif, parce que je pense vraiment qu'il n'y avait pas de solution, en fait, parce que c'était vraiment pour lui un besoin fondamental qui était d'avoir sa place dans un couple recomposé, bref, je vous passe les détails. Mais je veux dire, là, il y a un moment donné où ce n'est pas juste une question de compromis, c'est de se dire, ok, dans la situation telle qu'elle est, où vous n'avez pas de place, est-ce qu'il y a un moyen d'action ou est-ce qu'il n'y en a pas? Et vous auriez éventuellement d'autres besoins. Voilà, ça répond à votre question? Pas tout à fait. Je ne peux pas vous donner de baguette magique, évidemment, mais je suis d'accord. C'est un compromis entre plusieurs besoins. Voilà. Et de trouver, peut-être pas si sur le besoin de base on n'arrive pas à répondre, on essaie d'en trouver d'autres, il y en a toujours plusieurs hein, dans une situation professionnelle ou de couple. Maintenant, si c'est un besoin de base, dans la société, au niveau burn-out par exemple, on en parlait, c'est vrai que les gens qui remettent en cause leur situation professionnelle, c'est souvent pour des besoins très profonds, des valeurs, souvent, ici par exemple, ou des compréhensions en fait, ou des reconnaissances, ces valeurs-là, et qu'il n'y a parfois pas moyen de trouver des compromis. Donc c'est aussi, ça dépend de l'importance. Là, on n'est plus dans des besoins secondaires ou tertiaires comme du chocolat, hein, on est dans des besoins de la pyramide de Maslow, quoi. D'autres questions? Non? Comme je suis le commissaire priseur, on va arrêter. si je peux me permettre encore, parce qu'il n'y en a pas beaucoup de questions, donc je peux poser une deuxième question. Allez-y. Comment faire en sorte, si, c'est vrai que vous avez dit, bon, si une personne n'est pas prête à écouter, vous dites c'est noté, mais c'est un peu difficile, parce qu'avec son chef, s'il n'est pas prêt à écouter, dire oui c'est noté, et puis après on laisse tomber, on a encore des besoins et ils ne sont pas répondus. Donc comment inciter une personne à être un peu plus à l'écoute? Voilà. Alors, tout à fait. Déjà, je commence par la fin. Pour inciter une personne à être plus à l'écoute, c'est de dire écoute maintenant ou écoutez maintenant, j'ai besoin que vous m'écoutiez. Et on dit toujours avec une voix la plus douce possible. À un moment donné, il n'y a pas 36 000 solutions. Si vraiment vous n'êtes pas entendu, en couple ou ailleurs, c'est là, maintenant, je veux que tu m'écoutes ou j'ai besoin que tu m'écoutes. Première chose. Deuxième chose, par rapport au début de votre réflexion, c'est qu'il y a un moment donné où, si pour plein de raisons, votre chef ne vous écoute pas et que vous avez beau exprimer des arguments avec la méthode DES et vous êtes toujours frustré, je veux dire, la situation, elle est telle qu'elle est, je vous dirais. Et il n'y a aucune technique de communication qui pourra obliger votre chef à être plus empathique, plus bienveillant ou en avoir quelque chose à faire de vous. Enfin, je ne dis pas dit, mais... Donc, à ce moment-là, je pense que le « je note », c'est une façon pour votre cerveau de se rendre compte que malgré tout ce que vous pouvez mettre comme énergie, il n'y a pas de solution. Si en plus, vous avez la colère qui part à ce moment-là ou après, c'est de vous dire « ok, il faut que je change de stratégie ».
Et là, il y a toutes les alternatives possibles. Mais en effet, une communication, c'est avec deux personnes. Et parfois, vous avez quelqu'un en face de vous qui n'est pas de bonne volonté ou qui, pour plein de raisons qui lui sont propres et ses propres besoins, n'en a rien à faire de vous. Il faut couper le dialogue, quoi. Et simplement, je disais plutôt que le couper, c'est de dire « je note ». C'est quelque chose qui n'est pas totalement anodin non plus dans une communication. Bon, s'il n'y a plus de questions. Merci. 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 Merci.